Salutations YouTube. Bon, c'est pour l'instant inaccessible. Enfin, si, ce sera accessible du pont. Ah, mais oui. Ah, mais j'aurai le droit au cheval, vous pensez? Parce que. Si j'ai pas le droit au cheval, c'est sage. Bon, en tout cas, on en était là. Nous avons cassé la gueule à Godric. Putain, j'ai complètement loupé le raid de DFG d'ailleurs. Il y a 23 minutes. Je suis un caca humain. Omega Sage. Faut dire que j'étais en plein tunnel vision. Ah. Ah mais oui, c'est mon pote qui m'a aidé au début. Godric, you filthy slug. Feel it. Ça lui met cher, hein. Bloody wrath. Oh. Hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. What goes around is an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Mais calme-toi, Michel. Now, I suppose I'm free. I can do whatever takes my fancy. Can I, mate? Now, I can do what can I. Bien sûr. Éclate-toi, mec. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Ils vont encore me remettre un boss atroce. La salle du trône. Ah, c'est une... considérée comme une friendly zone. Je peux pas... lever mon bouclier. Enfin, je crois. Oui, c'est ça. Surprenant. Mais y'a R ? Ah, ça y est, ça redevient gros. De grâce, prenez mes fruits. Oh, énorme. Toujours plus. Ok, la map, c'est là-bas.
Ok. Oui. You're tarnished, aren't you? Then perhaps you could spare some runes. Believe it or not, I studied Blindstone. Ah merde, c'est un sorcier, c'est pas un prêtre. For a small donation, I'd be happy to share my knowledge. Ah, 10 runes, c'est sympa, oui. Bless you. Bless you. You're a true saint. My name is Tobes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries, as promised. Only, none of them are particularly great. Flèche de pierre d'éclat. Oh bah si, quand même. Des petits projectiles magiques, quoi. Mais on... C'est pas trop mon bail, ça. Apologies, friend. I'm afraid my meager sorcery... Oh, right. I can tell you what I know about this place. Il a l'air un peu chelou, hein. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study Glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the shattering, the Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a Glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. Why not find yourself a Glintstone key? Without one, you can't pass through the Academy. And you'll never reach the Erdtree capital. And if you find an extra Glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would you consider donating it to me? I know it. I'm a bluntstone. Nary a hint of talent for sorcery. But still, my place is at the Academy. Okay. Très bien. Ah, il y a des bouffes là-bas. Ouais, il a quand même une grosse épée bâtarde. On sent le guet-apens là-dedans. Ah. Oh merde, c'est un camp. Ça rappelle hein, le début du jeu. Un petit camp avec des bouffes. Je m'excuse. Cervelière de fantassin. Un petit chapeau. Oh, le jeu a freeze. Oh putain. Oh, le jeu refreeze. Qu'est-ce qu'elle a cette zone? Pourquoi ça freeze à mort?
casse-couille. Bizarre ça. Parce que le jeu a jamais... quasiment jamais freeze. Et là c'était de trop visiblement. Ça c'est dommage. Merde. C'est un foufou lui. Manuel d'artisan de Pierre d'Éclat. Ah, c'est ce qui vient de me lancer à la gueule, là. Ça recommence. Holy shit! Tain, mais pourquoi cet endroit? Très bizarre quand même. Bon, admettons. Bien sûr. Un bâton d'astrologue. Intelligence, c'est la honte. Oui, c'est full magie cet endroit quoi. Ah, la lanterne, tiens. Attachée à votre ceinture. Ah bah c'est génial ça. C'est mieux que la torche, non? Ah mais attends, mais ça se met où exactement? Ça va pas remplacer mon armure quand même. Juste là ouais. Ah oui. Ah voilà, et c'est bon, c'est forever. Ensuite, en vrai, c'est chiant de l'avoir là. Hein. Ça prend un slot chiant. Regardez le axe. Oh, le hacker. On m'appelle le hacker. Ok. Ouais, je la mettrai en raccourci plus tard. Ouais, il se passe quoi ici? Oula. Il y avait des bulles bizarres, des bulles bizarres. Il y a des araignées de mer chelou. C'est chiant. C'est vrai. C'est vrai que j'avais une amélioration de potion. Potion plus 3 maintenant. Ils ont foutu où mes âmes? Ok.
mais c'est très chiant. Mais c'est un délire. Ok, ils sont pas beaucoup de vie, mais qu'est-ce qu'ils font mal? Oh là là. What? Oh, c'est grand. Ah oui, d'accord, il y a l'occidental derrière. Merde, je vais au sud, hein, je voulais aller au nord. Non, c'est pas vrai. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Ouais. C'est beau, hein. Oui, non, mais c'est bon. Ah, tout est pardonné. Ok, donc il y en a partout, c'est bouffe. Il y a des bruits bizarres. Ça a l'air important, hein. Les trucs des pierres des classes, ça doit être en rapport avec son école de magie, là. Oh, il y a des trucs chelous, là. Des chevaucheurs inquiétants. Il va y avoir un boss dans le coin. Putain, c'est beau. Tout est beau. Encore un château, putain, mais est-ce que... Oh. C'est vraiment nécessaire, laisse bien raisonnable. Ça tangue bien ces merdes, c'est quoi? Non, c'est juste qu'il lâche du poison quand il s'emmerde. C'est des sports, quoi. Et il y a un truc pour aller en haut. Un courant ascendant. Bon, ça va être un peu chiant, mais on peut faire ça, hein. En vrai, oui, c'est très chiant. À mon avis, ça c'est efficace. Pas tant que ça. Est-ce qu'on pourrait au moins le... Voilà, un multi-hit, quoi. Pourquoi il se décale? Sale bête. Aïe. Ça va vite, hein.
Ok, on va se faire un peu chier, mais... Et à lui aussi, non mais ça suffit. Bon, au moins ils sont pas très dangereux hein. Faut juste être très patient quoi. Mais le pire c'est que ça se trouve y'a rien au niveau de la statue, je me dis que pourquoi s'ils sont tous là c'est qu'ils gardent un truc mais... Ça se trouve je me fourvoie. Garde R. Le critique. Ah, on touche pas les deux, ça c'est un peu pénible. Ah si. En visant ensuite derrière, ça passe. Eh ben. Et alors? Attention, la déception va être intense. Je suis déçu. Ah non. Puis il est même pas tant d'XP que ça. Hein. Je peux rester dans cette zone ou décider de prendre le courant là? Ah, ça s'éclaircit, c'est joli. Ah mais là on arrive vers le château de ses morts là. Oh là là non non il va y avoir des balistes et je sais pas quoi. Et c'est quoi ce gros truc là-bas? Pas de site de grâce là immédiatement. Mais si j'essaie de redescendre ils vont me faire mourir non? Je n'ai que des regrets. J'ai envie d'aller là-bas, mais c'est une connerie. Bon, peu importe. Bon, sur la route, on va forcément trouver quelque chose. Putain, ouais, ça ressemble vraiment à la première zone, quoi. Il y a une route, il y a des soldats qui font chier le monde. Ah, il y a un site, de grâce. Saved. Que ça peut être intéressant d'aller juste au sud là pour peut-être essayer de comprendre certaines choses. Oups, pardon. Attention, c'est quoi? C'est un village là? Je suis sûr que ça va être très convivial. Bonjour! Lâche le loot, je t'en supplie. C'est quoi? Oh là là! Vous avez eu ça là? Il y a des méduses bizarres là. Plume de faucon et tempête, formidable. Cheval Skyrim. C'est quoi ces merdes là? Ah c'est réel en plus hein. Bon on va tenter. What's up, bouffs? Vous êtes perdu? Oh,
là, c'est quoi ce petit labyrinthe là? Non, je peux pas aller aussi haut que ça. C'était bien pour redescendre, mais... Oh non, y'a un mec qui sonne l'alerte. Un troll. Encore un truc avec un coffre, maybe. Pas de panique. Hein? Il est hors de question qu'on parte sans le loot quand même. On n'est pas des animaux. En fait, le jeu, il met sous pression, donc j'ai pas le temps de me poser et d'admirer tout. Mais j'ai à chaque fois, au loin et tout, tout est magnifique. On voyage, quoi. On voyage dans un endroit affreux avec que des créatures qui peuvent nous tabasser le cul en trois coups, mais... On voyage quand même, quoi. Un run fléau. Ah bah, ça sera encore plus stylé quand je pourrais mettre mon fléau à trois têtes, là. Je n'attends que ça. Oui, salut les bouffes. Alors. Ok, bon, pas passionnante cette route, mais elle a le mérite d'exister. Attendez, ces ruines, on connaît pas, non? Y'a des mecs partout. Oh non, pas les bichons maltais! Not the bichon maltais. J'aurais pu être plus discret. J'aurais pu la jouer plus discret. J'aurais pu faire mieux. Avec le recul. Et donne tout. C'est perdu. Ils vont laisser, il va se rendormir au calme là. Oh non, le bichon maltais. Waouh, ok. Oh, je le saurais. Oh, je le saurais. L'esquive, c'était vraiment le bon plan, hein. Perdu. Les boules magiques, ça défonce la parade, ça défonce la garde. Bon, quelqu'un d'autre? Il y a encore un mec qui pionce. Il y a encore des bichons maltais aussi. J'en entends un. Il y a un truc qui faisait du bruit. Genre un bichon maltais. Il y a un truc qui rôde autour là. Ah mais attendez. Oh, bardé méduse. Je l'ai rêvé, mon bichon maltais. Non, c'est pas grave. Ah.
Oh là là. Agile. C'est vraiment des PNJ eux. Ah mais il a jamais utilisé sa... son truc pour de lancer l'alerte. Bon de toute façon je crois que... Ah bah oui il y a eu tout le monde, on vient de me rendre mes potions. And that was the camp. Et c'est pas un... Oh putain, elle s'est barrée, j'ai eu peur. C'est pas un de ces camps où il y a un petit escalier... Y a pas un vrai truc à loot hein? Il est où le petit escalier avec le coffre là? Parce que là c'est vraiment zéro hein. On est très déçus. C'est vrai que c'était pas très dur mais on est déçus quand même. Oui, c'est bien ce que je pensais, ça se casse. Quand je me suis retrouvé dessus, je me suis dit c'est bizarre. Héritage des deux doigts. C'est quoi ça? Ah mais c'est pas genre les sorts comme l'autre, les sorts hybrides là? Ah c'est un... non c'est un médaillon. Augmente la foi. Oh 5 en foi. Bravo. Oui. Je suis content. Salut Jogo. Ça c'est une excellente nouvelle. Oh, il y a un portail de ces morts là. Est-ce que c'est encore un portail qui va m'emmener dans des mines où on va me savater le huc? T'étais tout seul? Moi je veux bien jouer le jeu du portail mais avant ça... des bruits chelous. À l'est. On va prendre le truc et je vais peut-être tenter le portail du schnapps. Attention. C'est parti pour la carotte. Parce que je vais encore me retrouver dans les mines SM. Est-ce que je suis à déposer ma reine? What the fuck? On entend une chauve-souris ou un truc en contrebas. Un lieu de rendez-vous. Carte rudimentaire trouvée sur une dépouille, elle semble indiquer un point de rendez-vous. Sans doute que son auteur convoitait lui aussi l'unique moyen de pénétrer dans l'académie, une clé de pierre d'éclat. Et comment on y va? Non, c'est pas ça en tout cas. Bah ça doit être dans la région où on se trouve. Hein.
Ouais. Je joue en 1080p finalement. Enfin non, je joue en 2K. Mais le stream et les VOD sont en 1080p. Ah, je joue pas en 2K. Si je dis 2K, ça va trigger les puristes. Je joue en 1440p. Oh, regardez le sale bail. C'est quoi ça? Oh! Oh, j'aime pas ça. Pas ce petit village, petite bourgade. Ah mais on est là en fait. Enfin on est là. On est là où il y a la flotte, mais je me souvenais pas de tout ça, toutes ces architectures. C'est quoi que je vois là-bas? C'est réel. Ah non, prends la graine, prends la graine. Oh, c'est un mage ça. Mon point 3. Ah oui, je voulais le point 3 parce que c'est la carte. Je la vois pas l'île. L'île qu'il y a sur la carte au trésor, c'est aucune de celles-là. Ah si, peut-être. Avec les deux extrémités vers le bas, mais là il y en a trois, plus la petite île en plus. C'est ça? Après tout, c'était une carte un peu sommaire. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Je vais mettre leur père. C'est beau, hein. Il y a une église en haut, en hauteur, on l'a vu. Il n'y a pas un truc pour effacer toutes mes balises d'un coup? Je vous avoue que ça m'oppresse. Si on essayait de rusher ça, c'est une très mauvaise idée, sachez-le. Oh, c'est beau là. Oh, c'est loin. Wow, elle est folle la ville en hauteur là, c'est... ça a l'air gargantuesque. C'est effrayant hein, à quel point le jeu il est énormissime. Mais en plein au même endroit, les autres se suppriment. Ah, c'est bon à savoir. Ah, j'avoue, hein, c'est chef-d'œuvre. Hein. Oh, il y a une fleur du schnapps là. J'aurais peut-être pas dû m'approcher autant, je sais pas ce qu'elle va faire. Ça a pas l'air d'être les mêmes modèles que les autres. Oh, il y a des hommes grenouilles chamanes là.
C'est vrai que c'est marrant, hein. Moi je tiens pas en place. Hein. Moi je veux ouvrir du checkpoint, je veux faire de la merde. Dangereux. Bourgeon cristallin givré. Oh. I'm a friend. Oh, il y a des milliards de bulles bizarres là. Oh là là. Oh, c'est gardé. Il y a une fleur. Oh, c'est un boss ça. J'ai le droit à une invoque. C'est juste un dragon en fait. Pas de panique, c'est un dragon. Je pense que ça va être compliqué, mais. Bon, tant que je l'entends pas se réveiller, je veux bien essayer de m'enroufler. Hein. Ah oui, non, mais ça va être lui, ça va être son loot. Ça va être le loot de ce boss de merde. Pas aussi simple. Ouais, on est obligé de se le taper, c'est sûr. Ça serait trop simple autrement. Oh, y a un truc. Ah non, c'est ma valise. L'idiot. Le cheval Skyrim. Dommage. Ah oui, carrément. Ça, c'est un peu abusé, par contre. Alors ensuite, il y a un monde où, en effet... Il garde. C'est un dragon qui garde son trésor, comme beaucoup de dragons. Et en fait, il a le cul posé dessus, ou bien il garde une petite caverne. Un petit peu comme le nounours. Qui était. Qui pionçait sur. Et je fume un dragon. Ah, je pense que si j'essaie de fumer le dragon, ça va très mal se passer. Il y aurait pas du loot, là? Oh non, pas eux encore. Attends, mais pourquoi ils m'ont enlevé ma balise? Non, c'est pas grave, je sais où sont mes âmes. J'aime pas ce que je fais. Ok. Ok. S'ils ont foutu mes âmes sur le dragon, c'est des génies, hein. Non, te réveille pas. Attends, on les voit là ? Ils m'ont pas foutu en mode Skyrim là. Ah si. Les cocaïnes. Pas de problème. Quelle classe confesseur. Foi et bon. Dex en fait. Mais par erreur j'ai mis dans la force au début parce que je pensais que je voulais jouer masse. Et finalement je veux jouer fléau. Parce que c'est de la merde. Donc ça me plaît. Ça fait du saignement quand même. C'est magnifique. Les graphismes magnifiques. Oh là là, on voyage hein. Bon. Oh, il a un truc dans son cul, c'est réel. Alors moi, la question que j'ai, c'est est-ce que... Oh, et puis merde.
J'avais un sort de discrétion. Est-ce qu'il a vraiment un truc dans son cul? Mission accomplished. Tu vois que... quand même. Merde, c'était où? En village aux portes de l'académie, c'était le checkpoint. Non, le checkpoint, il avait un autre nom. Non, quoi que ça doit être ça. Hein. Ah non, la porte sud, oui. Attends, oui? Oui, c'est ça. Le nom de l'académie. Voilà. Oh là là, le scam. En plus, je suis pas magicien, moi, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est comme l'Underworld, on va encore ouvrir une nouvelle map. Salut Alika. Merci Faradiel. Xétarion, merci. En tout twist, dis maouflé. Ah, c'est vrai que ça vient de toi. Non, ok, on est sur cette map là, mais je suis inside. I'm in. Y'a encore des sauts là? Ah oui, d'accord. Welcome to the other side, quoi. L'homme qui débloquait des sites de grâce plus vite que son ombre. C'est honteux. On tue personne. Ah si, quand même, on a tué deux boss, mais... Enfin, ça dépend. 3 si on compte que Margit en était un. Ou plutôt le cerf, là. Ok, j'ai vu un cavalier qui me plaisait pas du tout. Incroyable. Une musique presque pas flippante. Ça fait un peu Skyrim. Ok, au secours. C'est la fin du game. Ils vont me faire quoi? Ils vont me balancer leur halbarde. Ça va me faire 1000 de dégâts. Je reste frais. Non, je suis plus frais du tout. Si ça passe pas là, ça passe pas. C'est pour ça que t'es le meilleur. C'est pour ça que t'es le meilleur. T'es mon cheval. Ah, c'est pas... Ce serait pas encore une ruine avec la porte scellée, ça? Ah non. Ça me manque, là. J'ai bien aimé l'énigme des tortues. Il y avait un mec qui était coincé dans le sol, mais tout va bien. Un petit peu de loot, là. On est là pour du loot, quoi. No spoil, je live. Ah merde! T'as pas vu cette zone encore? Putain, je suis vraiment un arnaqueur. Je vais à l'est, oui, c'est ça, c'est cohérent. Un mec en torche que j'ai aperçu là-bas.
des shrooms. Putain, mais la vraie galère en fait, c'est que comme le cavalier qui m'a filé le fléau fou là, il y a donc des trucs que tu dois faire de jour et de nuit. C'est un capitaine ça, c'est quoi? Ouais. Un gros badass. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Oh, il y avait pas moyen de moyenner? Il y avait tellement moyen de moyenner, je regrette. Je suis sûr qu'on pourrait partir dans une ascension folle. Bon, peut-être pas. Ok. On entend des gros bruits. Un peu comme du tonnerre lointain. Ou un géant qui tabasse on ne sait quoi, vous voyez? Genre de bruit qu'on aime pas trop, quoi. Ok, c'est très sympathique, il y a plein de boutons, mais là j'entends des bruits. Il y a quand même des gros... Non. Oh, oh les cas... Oh ça... Je sais pas ce que ça vise, mais bon. Prends, prends, je t'en supplie, c'est chiant. Arc runique. Waouh. Il y a un bruit là, il y a un bruit de... Pas un bruit de petite bestiole là qui va me filer un truc? Ah non, c'est un pour les potions. Holy shit. Je fais que passer un. Je l'entends, il est vraiment en train de me bourrer le cul. He's okay. Le site de grâce. Je sais pas où je vais. C'est magnifique. C'est surtout gigantesque et effrayant. Ok, oui, Didi, très vite. Le grand ascenseur de Dexus. C'est quoi ça, cette faille bizarre là? Sûrement les fameuses mines, n'est-ce pas? Il est là quelque part, l'autre chemin menant jusqu'au pied de l'arbre monde. Une ancienne galerie. Je pense qu'on va me faire descendre de cheval et je vais rage quit parce que là on est clairement dans un donjon. Le bail. Action sur la map égale grotte. Ouais, c'est l'équivalent du... Mais je l'avais vu, justement, je voulais aller explorer. Ah, mais c'est peut-être ça le fion, la mine, là, le truc que j'avais balisé dans un premier temps dans la première région. Parce que j'ai toujours pas réaffronté le boss de mort, on l'avait fait en plus... Dans l'alpha, là, le masque de merde qui donne des gros coups d'épée en mode teuteux, là, mais qui fait très mal. Et encore un bruit de bousier mystique ou je sais pas quoi, là. Ah, j'entends des sons. Des sonorités familières. Non, non. Alors tuez-moi, mais après ça. Ok. Où ils sont tellement? Je veux que ça s'arrête. Ok. Est-ce que j'ai vraiment encore envie de traîner ici? Ça continue? Putain, mais c'est incroyable comment c'est énorme.
Ça ne s'arrête jamais. C'est les bruits, c'est les bruits, c'est les bruits de la maison. Oh, les pierres de forge. Il y a un truc, un courant ascendant pour les chevaux là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis vu, c'est ça? C'est quoi la malédiction là? Bon, je me suis barré. Ça a l'air de se calmer. C'était l'œil de Sauron, c'est ça? Ça recommence. Je suis fou. Je suis fou de vous. J'approchais trop de l'arbre, j'en ai trop pris. Ah mais du coup, je l'ai dans le yonf. Parce que si je veux récupérer mes âmes, là, je redeviens fou. Sauf si je fais une pause dans ce fameux bois où où il y avait enfin... Ouais, dans la petite partie boisée, j'arrêtais de devenir fou. Putain, je tabasse pas assez les animaux. Ça pourrait me permettre de crafter plein de trucs, mais bon, vu que je crafte rien... C'est-à-dire que c'est pas si grave. Alors voyons voir. Mais c'est ça, oui, c'est vraiment l'œil de Sauron, là. C'est vraiment ça. J'avais même pas fait gaffe. On est vraiment là-dessus, quoi. Oh, carreau barbelé, ça va être sympa. Est-ce que je tente quand même d'avancer? On voit une issue dans ce mur. C'est vraiment une sale idée. Hein. Surtout que je vois pas l'ouverture. Oh, ça va si vite. Vous savez quoi? Je pense que je vais oublier. J'ai oublié cet endroit. Mais il y a tellement de choses à explorer par là. C'est infini. Je peux passer par là. Qu'est-ce qui se passe? Ça se bastonne là-bas, il y a des magiciens, il y a des soldats cons. Ça s'envoie du lourd. C'est quoi là-bas cette ouverture? Ah bah, ça va être nécessaire. Oh le délire! C'est bon, je vous laisse vous battre, vous avez l'air de vous... Allez! On compte sur vous, hein. Oh, c'est du génie. Il y a l'autre qui l'a tapé, du coup il est réoccupé. Sans alcool, la fête est plus folle. Je me casse. Fléchette de cristal. Le crâne. Est-ce que je gride vraiment une rune pourrie? Oui, bien sûr. Une fleur. Oh là là. Oh, le plan Huc. C'est quoi ça? Bonjour.
Raya Lekuya, l'étude MJ, pourquoi tes portes restent-elles closes? Il suffisait de farfouiller le cul d'un dragon et c'était bon. Il a pas la strat. Site de grâce. Quelle vue, quelle vue. On voyage. Oui, mais le nord c'est très haut du coup. C'est de la foule explo. C'est vraiment des VOD de l'escroquerie. Moi ça me fascine. Bon, sauf que je peux tabasser personne. Ensuite, mine de rien, le... quand on s'est retrouvé dans la zone souterraine, on n'arrivait pas à battre le moindre mob, mais on a quand même réussi à battre le boss. Hein. Pas un mince exploit. C'est une connerie. L'œil de bête se met à trembler. Comment ça? L'œil de bête se met à trembler. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que je dois me chier dessus? Oh! On se connaît. Ah mais attends, mais en plus c'est très intéressant de le tuer lui. C'est pour mon pote qui aime manger des morts là. T'es où? Ah oui, il faut les tuer plutôt deux fois qu'une, d'accord. On t'est où? Je sais plus, je crois que je l'avais fait à cheval, hein. Le premier. Il va jamais pop, par contre. T'es où, bro? Il est parti dans un autre point d'eau là, il me fait quoi comme plan? Il est où ce bouffe? Ah! Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit! C'est pas de la flotte ça! Il tue ses potes en plus, c'est vraiment le bro. Hein. Écoutez, il va tuer ses potes. Parce que je pourrais les tuer à l'infini, mais la réalité c'est que quand lui va mourir... Eux également. Qu'est-ce que tu fais? Tu fumes du bon crack? Tac. Je trouve qu'on lui mène la vie dure, hein, alors qu'il ferait pas de mal à une mouche, hein. Allez. Ah putain, d'accord. Cendre de bandit squelette. Ah oui, en plus, à chaque fois, il me donne une invoque. What a good guy. Et donc ça, c'est... Je vais pouvoir revoir le PNJ. Pas du tout inquiétant, pas du tout flippant. Pour lui donner ça. Bon, alors ça, c'est très intéressant aussi. On est gâtés, là. Hein. Ah non, il est bleu. Ça va juste être du mana. On est bien d'accord qu'il est bleu, il est pas blanc. Putain, gros bouffe. C'était pour les potions de mana. J'en entends un autre, c'est pour les potions de soins.
la base, j'allais par là. J'ai combien d'âmes? 8800. On a quand même un niveau garanti. On va aller valider. Vous avez tué un canotier à la retraite. C'est vrai qu'il ferait pas de mal à... Pas de mal à une mouche. Hein. Allez, encore... À 24 de deck, je peux enfin mettre mon putain de fléau que j'ai pas monté du coup, vu que j'ai monté l'autre. Oui, oui, j'aurais dû me TP directement à Mortefleur Man. Et ça, c'était... Merde. Parce que on a pris le passage secret de l'autre couille molle, là. Bon, il était pas dans un endroit affreux, genre là ? Sanctuaire bestial ? Peut-être ça, non ? On s'était vraiment retrouvé au trou du cul du monde. Tu peux te rajouter une fiole? Non, j'ai une graine dorée là, mais je pense que... Non, il m'en manque une, forcément au moins. Ah oui, il est si sympathique. De bestial. Alors, c'est pas que j'ai pas confiance en lui, mais je vais vite quitter les lieux. Et voir si ça plaît à Di. Améliore les attaques à dos de monture. Ah oui, j'avais ça. En vrai, ça me servirait beau. Ça m'aurait beaucoup servi, hein, vu, notamment hein, sur le combat contre le canotier. Il m'a donné quoi ce bouffe? C'est pas du tout ça. Hein. Ah, mais c'est un sort pour moi? x10, projette rapidement une multitude d'éclats de roches acérées. J'ai l'impression qu'on va vivre un moment formidable. Ça coûte très peu de PC, 7. Voilà, j'ai l'impression que c'est bien. J'ai l'impression que la vie est une fête. Est-ce que je me garde le soin mineur? Ouais, le soin mineur, il sert un peu de temps en temps. Le soin d'urgence quand... Quand on chillax. Il est où là? Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous barrés? Micheline, qu'est-ce qui se passe? Greetings. Nice to see you again. My name is Roderica. I should have told you sooner. Ah, mais c'est la meuf que j'avais vue blessée quelque part, non? The round table hold. Covert quarters of the two fingers. And gathering place of champions who vie to become Elden Lord. I never knew the guidance bestowed upon us tarnished. Had such fantastic roots, although it's all a bit... Celle qui m'a donné Bubuse. Ah oui, oui, c'est ça. Still looking for my own purpose. It's all a bit much for me, and I'm still looking for my own purpose. It's all a bit much. I'm still looking. Ah, mais voilà, il est là. J'ai redonné à manger à ton pote bizarre. Hello. You've been busy weeding Deathroot, I take it. I thank you, as your brother in arms. So what can I do for you? Ah oui, ces incantations hybrides intelligence foi, c'est vrai. Imprègne l'arme en main droite de sacré, ça a quand même l'air pas mal. Hein. Moi ça me plaît bien, hein. On y pensera tout de même. Mais 13 en intelligence, c'est cher. À moins que j'ai un anneau ou un talisman. Parce qu'après tout, j'ai eu un talisman qui m'a donné 50 fois, donc je peux peut-être avoir pareil en intelligence. Faut juste le trouver, quoi. Ah zut, on s'était dit...
Il y avait un fiac. Ouais, là, il y a un fiac. Ouais, mais j'ai pas allé me taper un donjon. Par contre, ce qui m'intéresse vraiment, ça c'est legit, c'est ce petit fiac-là. Mais c'était pas tout simplement le portail nul. Mais ça se trouve, c'est là le donjon hein, de l'eau de bouffe, là. Le donjon de... du masque de pierre qui met des coups d'épée comme un teuteux. Parce que bon, en vrai... Bah, tiens, t'as toujours le même dialogue, toi ? Oh, well done. Well done indeed. Oui, j'étais assez Godric. Mais... Now, visit the round table for an audience with the two fingers in the inner chamber. Ah, je peux demander une audience maintenant que j'ai tabassé Godric. Bah, voilà autre chose. Et c'est le retour à table ronde. Peut-être pour ça que ça a changé justement l'ambiance. Mais c'est à qui que je dois parler? Ici c'est le truc où il y a les taches de sang à l'infini. Ah, elles sont plus là, tiens. Mais t'es qui toi, on se connaît? Pleased to meet you. The name's Roger. Oh mais c'est Roger! Roger, t'es en vie! Roger! Oh non! Oh Roger! I know. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? Time can move rather slowly, stuck here, you know. A little conversation goes a long way. Ah bah tiens, j'ai vaincu Godric. Flèche de pierre. D'éclat. Attends, cendre de guerre? Ah putain! Oh mais c'est réel? Ah d'accord, on peut foutre... Mais ça scale même pas sur l'intelligence, c'est gratuit? Non, ah si, magie. Ah il peut nous faire des attaques spé cendre de guerre magique. Les dagues, les épées, ouais ouais, c'est pas pour moi quoi. Les armes de taille moyenne sauf les fouets et bâtons. Armes tout noyantes, compétences défensives employées par les princesses de Caria. Vous faites flotter votre arme dans les airs avant de la faire tourner en arrière violemment. Tous les adversaires touchés subissent des attaques successives. Bravo Roger. Ah oui, Eddie. So you've met Dee. Ah bah oui, je... Ah bah tant mieux. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Roger. Dee was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form... Ah, ça met un scaling magique sur l'arme. Et moi, je veux pareil, mais pour la foi. And if they were like you, all the better. Bah, c'est sûrement ce que me vend l'autre, ce que me vend Dee. Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. Ah, merci. Comment ça? As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. Qu'est-ce que c'est que ça, Roger? Attends, là je suis à 134 plus 35. 136 plus 43, un peu mieux. Parce qu'elle scale sur la dex en C. Phalange de lame éclat. Ah oui, en plus elle a l'air d'avoir un petit skill bien foufou. Sinon il y a ce fléau que j'ai drop, hein. Mais tant que j'ai pas la dex, ce sera pas bon.
Ouais, le skill, ça doit être foufou, hein. On va la tester. Mais bon, je suis un joueur de fléau, quoi. Ensuite, rapière, ça scale dex, on peut tester, hein, je veux dire. Mais c'est juste à Roger que je devais dire que j'ai un... What the fuck, je suis jamais allé là. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Bonjour. Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya the... Ah, c'était fermé avant cette porte, je crois. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shardbell. Quel cauchemar. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring, root of the Golden Order, anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Ah oui. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the great Dixos has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind to become Elden Lord. Mais surtout, ma rune, faut que je l'amène à la tour là, inaccessible. Enfin, si, mais du château. Qu'est-ce que. Je touche les deux doigts. Extase. Tout ça pour une emote, j'ai envie de vécreux. Well, I see. A remembrance of gold has found its way into your possession. Demigods and even the crater of the champions are hewn by the earth tree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, tarnished, you are here to take, are you not? Dans le menu pouvoir des souvenirs, vous pouvez extraire les pouvoirs de leur homonyme. Un seul pouvoir peut être extrait de chaque souvenir. Une fois ce pouvoir obtenu, le souvenir est perdu. Ah. Pouvoir acquis, H de Godric. Ah, il y a un truc, mais il faut 2000 runes, c'est ça? Ah, great runes are the stuff the children of the goddess, Queen Marika. Ah oui, elle va me dire alors pourquoi je dois les mettre sur la tour. Godric the Grafted was but a distant dream.
relation, the runt of the litter. His divine blood. Now go forth, let the words of the fingers. Non mais ça va être lourd de sens là. Qu'est-ce que je dois prendre ? Grande hache ordinaire, à genoux je te l'ordonne. Force D, Dex D. Force D, Dex D fois D. Point, contendant. Soyez témoin, ça doit être l'attaque de feu. Ah oui, ça fait du feu. Critique 100. Physique feu. Ouais, donc moi c'est plutôt le dragon greffé quoi. En plus ça pèse rien. Comme une ceste quoi. Je vais avoir les deux si je fais quelque chose avant. Bon, c'est un spoil, mais je l'accepte. Non là, mais en vrai, hein, la hache, je foule aux F de la hache. Hein. Mais le point de feu, il a l'air extraordinaire. Ça scale sur mes trois trucs. Si je suis patient. Ah ! Je pense avoir une idée. Genre si... quand j'aurais mis la rune dans la tour de merde, là. Le point est full merdique. Il y a quelqu'un qui vient de dire qu'il a fait tout le jeu avec. Obtenir les deux même si j'utilise maintenant. Eh fuck hein. Attends mais du coup c'est trop parce que là je vais devoir choisir entre le fléau que j'attends. Le point et la rapière de mon pote. Ah oui, c'est plus une arme d'appoint. Je vais retourner un peu dans la zone de début. Et je voulais m'occuper de ça, tiens. Rapière de Roger. Oh là là. Je sais plus où donner de la tête là. Oui, on voit. Est-ce que je dois jouer le feu ou jouer juste ma rapière à deux mains alors? Ça scale peut-être sur la magie, c'est peut-être pour ça que mes dégâts sont claqués au sol avec. Hein.
Oh putain, ça fait mal. Ah oui, d'accord, c'est vraiment un bouclier parce que si je veux utiliser le truc de feu fou, faut forcément qu'il soit main gauche parce que je peux même pas le mettre en deux armes, enfin en deux mains. Touche pas à ma méduse. Ok. Ah, le carry. Ah, ça attaque très vite, hein. Ah, même le R2, il envoie. C'est bon. Oh. Ok, j'ai trollé, c'est bon. Ok, marrant. Est-ce qu'on va jouer rapier ou fléau du coup? Peut-être quand je serai à 24 de deck, je prendrai le fléau. Ok. Pourquoi la frame pour réussir les parades oubliées? Mais en fait, les parades oubliées, c'est surtout que c'est... Ah, tu veux dire le pari? Ah, la riposte. Le pari comme ça, c'est galère, mais... Parce que c'est très dépendant des attaques. Mais sinon... Juste riposter, c'est très simple. C'est juste que c'est l'attaque lourde qu'il faut utiliser et pas l'attaque normale, ce qui est pas hyper instinctif, mais... Ok. Oui, donc à la base. Je vais aller voir mon poteau le bouffe. Ah mais il est là mon point.
pas eu peur. Au secours. Bah oui, parce que mon double saut avait déjà été utilisé. Et non. Piafed. D'accord que si je fais un saut, ensuite je time bien le deuxième, c'est free. Ah pas du tout en fait. Attends mais c'est à dire que... Mais si parce que ça a marché par le passé, le double saut il est censé reset les dégâts de chute ou pas du tout? Ou j'étais vraiment encore trop haut? Non. Putain, j'étais convaincu que c'était le cas. C'est pour ça que je me permettais de faire des dingues. Ah oui, ok, c'est pas aussi craqué que ça, quoi. Ok, bon bah on va le faire plus proprement. En plus, il y a un pote bousier qui vient me filer une tech, là. Ou des pierres. Bon là, c'est bon, faut pas déconner, quand même. Mais non, mais pas du tout, c'est bouffe du poison, là. On a mis le crabe. ...318. Ah ouais. Ah mais voilà. That's why ils économisent the king of the bouffe. Trop marrant, ce truc que j'aurais dû découvrir au bout d'une demi-heure de jeu. Au lieu de ça, j'ai parcouru le monde. Ensuite, ça me rappellerait. Hein. Parce que là où il y avait le masque à teuteux là, qui donnait des gros coups d'épée, c'était plus des galeries de souterraines, mais vraiment de pierre avec les saloperies de trolls, là, les trucs affreux là, qui te surprennent de partout et qui te font des critiques horribles. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ah mais t'es pas mort! Quelle audace! Ah non ouais c'est juste des mines, bah trop bien. Pierre de forge c'est utile. Mais c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, je pense que c'est une blague. C'est la mine pour mon fléau, ouais bah sauf que... Il me faut des pierres de forge niveau 2. Il y a un boss là-dedans? C'est sérieux? Mais non mais putain! Ça me parlait de bouclier. Ah mais... Ah oui. Sauf quand je mets une attaque lourde. Putain mais l'attaque lourde elle part vite. Ah ouais je peux taper avec mon bouclier élevé. Oh là là. Je sais plus où donner de la tête parce que ça j'adore. Hein. Ah putain mais leur peau m'empêche de les attaquer convenablement. Je reste quand même un peu fidèle au fléau, mais bon. Mais j'ai plus ma lanterne au cul.
Ouais, là c'est plus, ça serait plus mieux avec le fléau, c'est sûr. Le contendant, quoi. Mais la rapière de Roger, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Ça va nous servir à certains moments. Attends, je n'ai de là ? Je suis amnésique ? Ah non, je suis bien d'accord. Ah d'accord, plus je vais descendre, plus ça va être hardcore. Mais j'aurai de meilleur loot. Oh merde! Il y avait moyen de filouter, et là aussi. Il y a quoi au mi-étage? Oh le con! Oh putain, j'ai eu si peur. Oh le pas en arrière de mes couilles. Ah bah voilà, là on parle. Quel fils de ces morts ? Je vais mourir. Je vais mourir contre Joel Clodo. J'ai eu peur. Mais zut alors le truc en bas. Eh, c'est quoi ça? Il y avait un mec. There was a guy. Ah non, il y avait ça. Oh oui. Oh, ça c'est pour justement mon fléau génération 2. Génération méga octet. Il y a aucun... C'est pas un site de grâce? Parce qu'il n'y a pas eu de site de grâce quoi. Si je me fais tabasser le huc, eh ben c'est triste. Merde, attendez, mais c'est une bestiole là. Oh l'innocent, j'avais pas vu. Le troll fouisseur. Pas du côté de la masse hein, si possible. Oui d'accord, il y a de l'impact, il y a de l'impact, il y a de l'impact. That's why ils économisent the big bouffe. Ça se passe mal, ok. Changement de scénario. Oh il déteste le feu. Good guy. Non, 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 non. Ah mais j'avais le droit à la méduse. Putain, j'avais pas vu. Ah, il y a une effigie, let's go. Oh, par des méduses. Mais on est où? Hein? C'est une blague. Eh mais on peut refermer en boucle? Non, il mine plus rien là en fait.
C'est moi qui ai gagné la bataille du feu. Il déteste le feu, hein, c'est officiel. Et c'est vrai que j'ai gagné 5 en foi en plus. La boule de feu, elle est très cool maintenant. Aïe, mais... C'est terrible. Ah tiens, vas-y ça. Truc un peu useless là. Méduse ou autre d'ailleurs. Oui, j'ai des nouveaux aussi, des cendres de bandisque squelette. Coût en PC 22, mais ils doivent être nullos. Pourtant, c'est le dernier truc que j'ai eu chronologiquement. Et c'était quand même loin, quoi. Utilise le dragon pour cramer le troll. Ah, j'avoue. Et le problème, c'est que j'aurai mon canaliseur. Un rapier en main droite et le dragon en main gauche. Ouais, mais je pourrais mettre le fléau aussi, hein, ça change rien parce que. Ah non, il faudrait que je mette mon truc parce que la boule de feu c'est quand même. Bon, vas-y. Oui, c'est vrai que les squelettes, oui, ils ont plusieurs vies. Parfait. Non, pas parfait. Mes âmes. Pourquoi je reste près de la méduse? Je suis un malade. T'es un malade, Bernard. Je suis en train de la laisser se faire tabasser parce que j'avais pas de mana. C'est passé entre ses jambes, c'est du génie. Non! Mais. Ça s'arrête quand? Jamais, visiblement. Elle est morte. Oh non, le miracle. Le miracle du gardien suisse. Oh, il fait nymphe. Oh, il m'a loupé. C'est notre petit secret. Tout visiter, il me semble, parce que quand j'ai sauté, il y avait aussi un étage en dessous, mais c'était juste le raccourci, ouais. Améliore les cris et les souffles. Alors, elle les souffle. Parce que je me demandais si elle allait marcher avec le gant dragon là.